coucou. Ah oh. Oh. Il a pas l'air content, Francis, hein. Oh, j'ai le hoquet. Prouteux. On se calme, cet exorcisme. Ah ouais. Le but. D'accord. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Supermax Family. Merci beaucoup. Cœur sur vous. Hey, comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et vous ne rêvez pas, je ne suis pas chez moi, mais où suis-je? Je ne suis même pas en Europe, je suis aux États-Unis. Oui, je suis dans la région de Washington. La semaine prochaine pour moi, je serai à New York. Et je continue de tourner des vidéos pour vous quand même, parce que évidemment, la chaîne continue. J'ai pas tout mon matériel, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas mes lumières, pas mon trépied. C'est un peu compliqué, c'est pas très grave, l'important c'est le jeu vidéo. La séquence des commentaires ne sera peut-être pas là les moments où je vais tourner dans ces chambres-là. On reprendra les commentaires dès que je rentrerai chez moi. N'oubliez pas de laisser des commentaires quand même pour les prochaines vidéos que je tournerai chez moi. Vous avez compris? Et si vous voulez voir des images de mon voyage, il faut aller sur Instagram. C'est là où je partage mon Instagram. C'est @délire_de_max. N'hésitez pas à y aller. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un jeu avec un bébé psychopathe que j'ai trouvé sur iPhone, qui est vraiment très bizarre et super effrayant. Le jeu est gratuit et ça c'est cool. Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Aujourd'hui, on continue la petite découverte des produits qui n'existent pas chez nous. Alors là, clairement, il y a deux choses qui n'existent pas chez nous. Les capsules Keurig, hein, j'en ai jamais vu. C'est des capsules de café. Mais alors là, c'est en plus du café goût Snickers. Vous ne rêvez pas, c'est du Snickers. Alors bon, il n'y a pas de sucre dedans, hein, c'est uniquement des saveurs. C'est du café et des arômes. Sinon, j'aurais pas pris, hein, parce que je bois pas mon café sucré. Et je confirme, hein, il n'est pas sucré. Donc regardez les capsules. Bon, c'est un peu le même système, hein, que tout ce qui est Nespresso, tout ci, tout ça. C'est des capsules comme ça, avec dedans... du café qu'on met dans des machines. Je vais vous montrer la machine tout de suite, parce qu'il y en a dans tous les hôtels, pratiquement ici aux États-Unis, dans les chambres, il y a à chaque fois une machine à café. Bien souvent, c'est une Keurig. Donc je l'avais acheté dans mon ancien hôtel, enfin dans le magasin à côté de mon ancien hôtel, et parce que je savais qu'il y avait une machine, j'ai emmené les capsules dans mon hôtel à New York et j'ai de la chance parce qu'il y a la même machine, donc je vais pouvoir boire mon café Snickers. Voilà. Alors en plus, c'est Donut Shop, donc je sais pas ce que c'est le Donut Shop. Ça n'a pas du tout le goût de donut. Ça n'a pas non plus le goût de Snickers. Hein. C'est un petit peu, on va dire, caramélisé, hein, l'arrière-goût de cacahuète, hein, parce que dans le Snickers, vous savez, il y a les cacahuètes, et c'est franchement pas mauvais, mais ça reste du café à l'eau, hein. Ici, les Américains, ils boivent leur café avec beaucoup d'eau, hein, c'est plus de l'eau aromatisée au café que du vrai espresso, mais moi, je trouve ça marrant. Donc, il y a 12 caps, je sais pas si, j'en ai déjà bu la moitié, je sais pas si je vais tout finir, au pire, je les laisserai pour les prochains visiteurs de cette chambre, et puis, écoutez, c'est marrant, j'ai vu ça en magasin, ça m'a attiré, mais c'est pas forcément super cool. C'est pas le meilleur café du monde, loin de là, mais ça me fait rire et c'est un bon petit goût. Donc voilà, je peux pas vous faire une démo parce que je vais pas boire un café maintenant, il est tard, mais voilà, écoutez, c'est cool, donc to the video. Et maintenant il est temps de lancer le générique. Énorme merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires justement pour des prochaines lectures de commentaires. Merci à vous. Je vais me téléporter nulle part parce que je vais rester ici pour jouer. Le jeu sur iPhone 12 Pro Max sur l'App Store, il est gratuit. Il est peut-être dispo sur Android également. N'oubliez pas de laisser un max de likes si vous aimez les jeux avec les petits bébés démoniaques. C'est parti, let's go. Ouh, regardez un peu l'ambiance bizarre de Scary Ragdoll in a Horrors. Bon, ça c'est un accent un petit peu pourri, mais c'est un titre à rallonge. Alors, dans les options, il y a la musique, le son et la vibration. J'ai enlevé la vibration parce que ça risque de faire un petit peu des parasites avec le son et tout, et j'ai pas envie. Donc on y va, on fait play. Qu'est-ce qui se passe? C'est le menu de chargement. Ouh, il y a 10 niveaux, donc les autres sont verrouillés. Hein, il faut faire le 1 avant de faire le 2, avant de faire le 3, avant de... Vous avez compris. On clique sur le 1. Je joue en mode hors connexion pour ceux qui posent des questions. Comme ça, je pense que je n'ai pas de pub. Première nuit. J'aime beaucoup la police d'écriture. Bonjour. C'est bébé. Oh là. C'est bébé Francis. Regardez comment il me regarde. Et il tourne pas la tête. Coucou. Ah. Oh, comment il a tourné la tête. Non mais il est fou. T'es fou. T'es fou. Bébé Francis. Ah. Bébé Francis, tu es monté sur ressort, je crois. Regardez-moi ses yeux démoniaques. En plus, pourquoi on dirait un vieux? Regardez sa bouche, on dirait qu'elle est toute ridée, toute chelou. Ah, c'est bizarre. Donc là, on a des placards. Il fait très très nuit, hein, dans ta maison. C'est normal, Francis? Bon, vous le voyez en haut à gauche, il y a écrit « Nuit numéro 1, nourris le bébé ». On va le nourrir, hein. Waouh, on a une chambre ici, très sympathique, avec un ordinateur à l'ancienne. Placard, on a... Ok, merci. Par ici. Ah,
une salle de bain avec une baignoire en briques. Pourquoi pas, c'est un style, après tout il en faut pour tous les goûts, les toilettes sont bien 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 carrées, angulaires, mais c'est pas là que je vais trouver à manger pour le bébé. Donc je continue, ah ah. Alors d'abord, avant d'aller dans la cuisine, non, je ne peux pas sortir, je suis condamné dans la maison du bébé. Micro-ondes, ok, tout, ah, pick cooker, ah, c'est le cuisineur, voilà. Faut-il que je le place là? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? J'ai une poêle, enfin une casserole, un truc. Attendez, faut que je donne ça au bébé? Francis, tu veux manger une casserole? Non mais je sais pas, parce que... Attendez. Oh! Pardon bébé, oui! Excuse-moi. C'est juste que je savais pas que ça allait le lancer comme ça sur toi. Non mais la violence de la casserole quoi, c'est pas possible. Eh, je peux plus la prendre. Oh, je peux plus la prendre. Ah si. Voilà. On va pas faire des bêtises avec le jeu. Sinon, on pourra plus faire l'émission. Est-ce que je le place ici, par exemple? Oh non! Elle est où? Elle est là. Oh, j'ai eu peur. Merci. J'aimerais pouvoir cuisiner. Non, je ne vois pas quoi faire. Comment je fais pour nourrir le bébé? Vous êtes gentil, mais j'ai pas de... Ah, ouvre le frigo. Ah bah voilà, en fait. C'était juste une distraction. Oui, il fallait un biberon pour donner à manger au bébé. Ok, bon, bah on va lui donner le biberon et puis il va être content, hein. Francis, j'ai ton bibi, j'ai ton ronron, tiens. Ah, ah, il est content, regardez. Ah, ah, ah. Super. Bon, les niveaux sont assez faciles, donc c'est cool. Niveau suivant, niveau 2. Alors vous le voyez, j'ai l'impression que ça reprend vraiment la trame de Baby Niello, puisque là, le bébé est tout vert, tout bizarre. Donc je... D'accord. Oh. Comment il... Bébé? Alors, je le prends dans les bras, il fait son espèce de monstre bizarre, chelou, et je le lâche. Écoutez le bruit qu'il fait quand je le lâche. Non, mais c'est trop drôle. Attendez. Et en plus, il est tout mou, regardez. Pardon. Faut pas lancer un bébé comme ça, hein, n'importe comment. On va te changer, hein. On va dans la salle de bain, c'est ça? Oula! Oh, waouh! Oh, je peux faire tomber les... Mais attendez, il est tout petit, le bébé. Regardez par rapport à un livre. Mais il est minuscule. Bébé, oula. Bébé, je crois que ça va pas bien. Oh, j'ai le hoquet maintenant, il m'a fait rire. Regardez ses jambes et tout. Bizarre. C'était trop tentant. Eh hey, bébé, tu flottes dans les airs ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est chelou. Bébé. Oh, je peux plus prendre... Ah, c'est bon, je peux prendre bébé. Oui, oui, c'est ça. Content, content, hein. Oh, bébé. Magie. Le bébé a traversé les murs et les portes, surtout, en l'occurrence. Bien, allez, va prendre ton bain. Le bain est solide. Qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh. Il a rebondi. Non mais j'ai vraiment le hoquet, ça va être pénible. Ah, c'est là. Mais le bébé là? Pourquoi faut-il mettre le bébé là? Ça me semble un petit peu étrange. Mais bon. Allez bébé, sur le pot. Ah, regardez. Il a pas l'air content, Francis, hein. T'as pas l'air content, Francis. Bien, on va prendre... Ah, regardez, la couche. Donc je prends la couche et je vais la mettre sur le bébé. Ah, il est content et nous on a réussi notre mission. Niveau suivant. J'ai le hoquet, hein. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a Edouard aux mains d'argent à la télé? Alors, emmène le bébé au lit. Bébé, t'es où? Francis. Il est où Francis? Mets le bébé là. Bah oui, mais il faut d'abord que je le trouve. Bébé. Ah. Oh, j'ai le hoquet, c'est pas possible. Ah non, mais je vais... Voilà, viens bébé. Il faut aller là-bas. Tu veux regarder la télé d'abord? Allez, d'accord. Voilà. Non, tu veux pas. T'as fini? Non, mais quelle est cette position pour un bébé pour regarder la télé comme ça? C'est quand même bizarre. Bébé! Oh, j'arrive pas à le récupérer. Viens ici. Voilà. Hop. Ok, faut passer par ici. Et ben voilà, c'est tout. Fallait juste mettre bébé dans le lit. Pourquoi c'est tout noir? Oh, j'ai le hoquet, c'est pas possible. Le bébé m'a contaminé.
Oh, comment on fait partir le hockey? Faut avoir peur ou respirer ou... Donnez-moi vos astuces dans les commentaires. Pourquoi y a... Quelqu'un qui frappe à la porte? J'ai peur, moi j'ouvre pas, hein. Vous êtes fous, quoi? Quoi? Il faut que je trouve le bébé! Bébé! T'es où? C'est quoi ça? C'est quoi ces vers là qui bougent dans le mur? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bébé, ça va? Bébé, il a l'air triste. Ok, ça va, t'es content? Il est chelou ce bébé, hein. Bien. Tu veux regarder la télé, c'est ça? Ok. Oh, bah ça va, pardon. Pas fait exprès. Hop. Il regarde la télé. D'accord. Et c'était la mission. Super. Le jeu est facile, hein. En fait, le jeu reprend, j'ai l'impression, le premier niveau de Baby Yellow et il le décompose en plein de missions. C'est quoi ça? On peut allumer? J'ai vu qu'on pouvait... Ah! Oh! J'ai lancé la lampe, tel un petit coquinou. Alors, change les vêtements du bébé. Ok, donc pour ceci, bah, je prends le bébé et je vais le mettre dans les toilettes comme tout à l'heure. Facile. Encore faut-il que je retrouve les toilettes. Attends bébé, c'est juste que... Voilà. Donc je le place ici. Je prends la coucouche. Et je change le bébé. Bah voilà. Et maintenant... Hey, bébé, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'es mis sur la table comme ça en mode effronté? J'ai dit non, hein. J'ai dit non. Comme ça, il a compris la leçon. On va mettre bébé dans son lit. Et c'est... Il est où ton lit, bébé? Je crois qu'il est là. Non, ça c'est la cuisine. On va pas te manger, bébé. N'aie pas peur. Je cherche juste ton lit. Bébé, ton lit. Ah, attendez, peut-être qu'il est là-dedans. Ah bah non. Je t'ai accroché à la porte. Excuse-moi, Francis. Mais je cherche ton lit. Ah, par là. Ah, c'est toute une nouvelle zone de la maison. Regardez, je peux monter. Et peut-être que le lit de bébé est en haut. Attends, bébé. J'ouvre les portes. Qu'est-ce bruit? Ok, ça m'a fait peur, mais c'est pas grave. Bon, bah visiblement, c'est pas là. Et là, je peux pas ouvrir. Désolé, bébé. Non, mais bébé, j'ai que deux mains. Hein. Je ne peux pas te tenir et ouvrir la porte. En vrai, je peux. Mais dans le jeu, on peut pas, apparemment. D'accord, c'est pas là. Bon, bébé, tu m'aides. Il est où, ton lit? Amène le bébé au lit. J'ai perdu ton lit, bébé. Hop. Oh non, bébé, t'es tombé dans les escaliers. Reviens. Voilà. Alors, je ne trouve pas le lit de bébé. Le lit de bébé, t'es où? Ah, là, bah attendez, j'ai une chambre ici. Est-ce que... Non, j'ai bien mis bébé au lit, mais c'est pas le bon lit. C'est un problème. Je sais pas, là, attendez, tout à l'heure, j'avais le lit. C'était simple, il y avait même écrit « Mettez le bébé ici ». Oh, mais c'est où qu'il faut mettre le bébé? J'ai perdu le bébé. Le bébé! Ah, attendez. Est-ce que je peux ouvrir ça? Nope. Ah, désolé, bébé, je t'ai déjà expliqué. Je ne peux pas, hein? Bon. Emmène le bébé au lit. Oui? Mais il est où, son lit? Ah, ah! Bon, bah, c'est forcément en haut, hein. Je retourne à l'étage, hein. Je n'ai pas le choix. Donc, je retourne dans les escaliers. Voilà. Comme ça, on va être en haut. Et... Hop! On va te mettre là, hein, pour l'instant. Bon, je sais que c'est pas là, bébé, mais excuse-moi, j'essaie de trouver ton lit. C'est pas là. Viens ici. Attendez, il y a une porte, là, que j'ai pas essayé tout à l'heure. Non, mais ça marche pas, hein. Bébé, je trouve pas ta ch... Ah! Est-ce que... Oui, j'ai trouvé! Oh, bébé, ça y est, j'ai trouvé ta chambre. Allez, viens. Et... Pouf! Voilà. Il est content. Allez, bébé. Bien. Next level. On continue. Alors. Fais comment on dit settle the baby. Console le bébé, en gros, il est pas content, il pleure et tout. Et ensuite, le nourrir. Très bien. Donc, de mémoire, le bébé, il était là. Qu'est-ce qui se passe, bébé? T'as cassé la ventilation. Bravo, hein. Viens ici.
Oui, c'est ça, méchant, tu sais combien ça coûte une clim? Vraiment, hein, tiens. Voilà, oh là, oh! Oh, il a fait la pirouette arrière sur l'escalier. Bravo, bébé. Ah, bravo. Hop, ici. Mais viens ici! Il fait bouger la caméra dans tous les sens. Où est-ce qu'on lui donne à manger? Ah, voilà, mets le bébé ici. Ok, pouf! Ah! Qu'est-ce qu'il a, lui? Ok, t'as faim, mais deux secondes, t'es pas obligé d'être méchant comme ça. Non, mais en plus, il fait clignoter les lumières de ma maison. Non, 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 bébé, tu te calmes. C'est pas comme ça qu'on demande son biberon de lait. Non, bébé! Arrête! Tiens, tu bois. Voilà. Oh, tu vas casser toutes les lampes de la maison, c'est pas possible! Non! Next level. Il nous reste 3 niveaux. C'est cool. Il est facile ce jeu. Ah, emmène bébé, voilà. Regardez la télé. Ah! La porte, elle m'a coincé. Alors, est-ce que bébé est dans sa chambre? On va voir. Oui! Il est dans son petit lit. Viens ici, mon petit bébé. Hop, hop. Voilà. Allez, bébé. Au lit. Au lit. Ah non, devant la télé, pardon. Je le prends du lit et moi, je dis aller au lit. Pauvre bébé. Est-ce que tu passes encore les portes si je fais ça? Non. C'est pas grave. Allez, va regarder ton dessin animé préféré avec Edouard aux mains d'argent. Pouf. Ah! T'as raté le canapé, mon petit bébé. Voilà. Là, il est content. Là, il est bien. Ça, c'est un beau petit bébé. Oh oui! Emmène le bébé au lit. Ton programme est terminé? Alors, on va au lit, mon bébé. Voilà, Francis. Tu sais, Francis, t'as les yeux rouges. C'est parce que t'es resté trop près de la télé trop longtemps. Oui, c'est pas bon pour la santé des yeux. Surtout les yeux des bébés. Donc, je vais te mettre au lit. Hein, c'est tout. C'est tout, Francis. Et je ne veux pas t'entendre râler. Merci. Allez, je vais à la cuisine. Bien, moi je fais les missions qu'ils me disent. J'obéis, j'ai une vie bien réglée. Je vais donc à la cuisine me préparer un petit peu de céleri. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas forcément le céleri. Bon, hop, on va dans la cuisine. Et qu'est-ce qui se passe encore? Bébé! Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Non! J'ai dit non! Déjà il est possédé. Non, 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 non. Tiens. Voilà. Pleure. Tu restes quand même un bébé. Faut pas non plus l'oublier. Ouh! Allez, au lit maintenant. Ça suffit tes petites bêtises. Je n'en puis plus. Tu viens là, tu viens là. Ah, il est redevenu gentil, vous voyez? Un petit bébé avec un peu de discipline et sa chambre, eh ben, il est content. Next level. Je crois que c'est le niveau 9, donc ce serait l'avant-dernier niveau. On va changer les vêtements du bébé parce qu'il est encore tout sale. Regardez, il est tout prouteux, là. Il a fait des petits proutes. Et du coup, il a de la fumée verte, ce qui fait pas de sens du... Oh! Excuse-moi, bébé, t'as rebondi sur la porte. Donc, je vais te mettre là. Voilà. Et... Ah! La couche! Non! Bébé! Rends-moi la couche! Regardez, la couche, elle a des petites fesses moelleuses. Ah, c'est trop mignon. Bon, je te suis, couche, hein. Ça sert à rien, hein. Tu vas pas te cacher puisque je sais où tu vas. Elle est bête, cette couche. En même temps, c'est une couche, j'ai envie de vous dire. Oh, c'est quoi, ça? Un happy? Bien, je ne sais pas ce que c'est, mais on va aller changer la couche du bébé, hein. Ça, c'est le plus important. Donc, on y va, go. C'est parti, c'est juste là, ensuite au bout à gauche. Bébé, qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais savoir, je t'avais mis sur les toilettes. Bon, tu viens là, hein. Tu arrêtes. Non, qu'est-ce que j'ai dit, Francis, à propos de se déplacer tout seul? On ne le fait pas, on est un bébé. Bien. Alors, faut que je prenne la petite couche. Voilà, et on va aller changer le bébé tranquillement, gentiment, sagement. Allez hop, voilà. Maintenant t'as le droit de regarder la télé parce que t'as été un bon petit bébé démon. Voilà. Ah non, c'était la nuit 8. Pas facile à dire ça, la nuit 8. La nuit numéro 8. Nourris le bébé. D'accord. Donc ça se passe dans la cuisine. Tout à fait, hein. Nous avons un biberon. Et c'est sympathique. Et on va le donner au bébé. Ah, il faut que je mette le bébé là. En même temps, c'est normal, hein, bébé, on ne mange pas devant la télé, surtout quand elle est éteinte, hein, ça sert à rien. Regarde-moi ça, t'as encore les yeux rouges, tout gonflé, t'as encore regardé la télé, c'est pas possible, hein. Je t'avais dit quoi sur la télé, c'est pas bon. Oui, bah je vais te la donner, mais donne-moi le lait. Voilà, tiens, mange, et arrête de faire clignoter les lumières, je t'ai déjà dit. Tu vas les exploser, oh. Super, next level, je crois que là, c'est le numéro 9, l'avant-dernier. Qu'est-ce qui se passe?
va à la salle à laver. Ok, la buanderie, quoi, là où on lave le linge, là où il y a la machine à laver. C'est où la wash? Ou alors c'est la salle de bain. Je crois que c'est la salle de bain en fait, ce qu'ils veulent dire. Donc on va aller dans la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a fait cuire ma maison là? Ça va pas du tout là, bébé. Ah! Oh, oh, oh! On se calme un peu. Oh, je crois que le bébé va pas bien. Hein. Francis, je crois que ta tête est un petit peu trop élastique. Je vais aller chercher le. D'accord. Je vais aller chercher le talisman. Je sais où il est parce que tout à l'heure, quand la couche elle a bougé, j'ai vu où elle a été. Oui! Donc, ça se passe par ici. Et ensuite, il faut prendre la première porte. Et le talisman est ici. Voilà, je crois que c'est ça. Et ensuite, je vais aller exorciser le bébé qui vraiment ne va pas bien. Je crois que là, c'est plus possible. Allez, bébé. 3, 2, 1. J'entre dans la salle de bain et je t'exorcise. Ah ouais! Il a le bâton planté dans le front, c'est pas du tout creepy. Allez hop, dernier niveau. On a fini Scary Ragdoll in Horror House. Ah, console le bébé. Je te console, bébé. Allez, on va dans la... D'accord, tout va bien. Au secours! Yaï! Qu'est-ce qui se passe, bébé? Je peux pas aller dans la cuisine. What? Il va où, lui? Bébé, tu voles? Bébé! Ça va, bébé? Bébé? T'as des trucs rouges qui... Bébé? Good night! Ah! Que Satan soit avec vous! Non! On change de jeu! Alors, ça y est, j'ai lancé le deuxième jeu. Je sais plus comment il s'appelle. Le menu est un peu bizarre. Il n'y a pas de bruit. Je crois que c'est le même créateur. Eh bien, écoutez, on y va. Très mystérieux, ce jeu. Encore des niveaux comme ça. J'appuie sur 1. D'accord. Ok. Un peu plus lumineux. Mais le bébé ressemble étrangement à Francis. Donc, on va l'appeler Léopold. Il a aussi sa bouche un peu fripée, ridée, on dirait un vieux déjà. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Donc, la première mission, c'est j'ai bugué, hein, je suis dans la matrice. C'est de donner la tétine au bébé. Regardez, the pacifier, c'est ça qu'on dit en anglais. Ouais, je sais, parce que je suis aux États-Unis, donc je parle anglais. N'importe quoi. Il est où le bébé? Il était pas là? T'es là? Ah, il est là! Je le voyais plus! Regardez! Tu me vois? Tu me vois plus! Tu me vois? Tu me vois plus! Tu me vois? Tiens! Oh, comment je vais lancer? C'est quoi cette tête? Ah, niveau terminé! D'accord! Ah non, mais c'était facile! Emmène le bébé au lit! Bébé, pourquoi t'as les yeux rouges? Et pourquoi il se tient comme ça? Mais qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas dans ces jeux? Bébé! Coucou? Je peux prendre le bébé? Ah! Je peux prendre le bébé! Oups! Je t'ai fait tomber. Aucune réaction de la part du bébé. D'accord. On va voir si je peux le lancer en mode You. Non. Aucune réaction. Hein. Alors là, le bébé, il est complètement... Voilà. Il fait rien. Bah écoute, on va t'amener au lit. Hein, si c'est ce que tu veux. Seulement, il faut que je trouve ta chambre. Je crois qu'elle est en haut. Hein. Là, je crois qu'elle est en haut. Ah, les portes s'ouvrent. Ah, ça, par contre, c'est bien. Est-ce que c'est là, le lit? Non. C'est un lit, mais c'est pas le lit. Pourquoi t'as les yeux oranges? Je sais pas, je comprends pas ce jeu. C'est où ton lit, bébé? Ah, attendez, il y a d'autres pièces là-bas. On va aller voir si la chambre de bébé n'est pas là. Non, ça c'est la salle de bain. Et c'est ça ton lit? Non. Hé, bébé, c'est quoi ton lit? Je sais pas, moi. C'est en bas? On va aller voir en bas. Je ne connais pas encore cette maison, bébé, hein, tu m'excuses. Mais voilà, donc on va te trouver ta maison. Ah, ici c'est écrit. Oups, j'ai raté bébé. Ah bah, niveau complété, bon, ils sont gentils. On passe au niveau suivant, donne à manger au bébé, prends la bouteille dans le frigo. Les portes s'ouvrent toutes seules, hein. C'est un peu étrange, et même flippant même. Hein. C'est comme s'il y avait une force surnaturelle qui aidait le bébé. Enfin, qui m'aidait moi, mais c'est pour que je puisse obéir au bébé en fait. Hein. Voilà. Le frigo est là et le biberon est là. Oh, pourquoi le frigo il est sombre, le frigo il est moche. Ah, je suis désolé, hein, faut pas critiquer les frigos, mais là bon voilà. Hein. Bébé, ah tiens, bois ça.
Ah, il est content, regardez. Il boit déjà tout seul comme un grand. Ça, c'est cool. Ah, nuit numéro 4, trouve le bébé. Ah là, ça commence à dégénérer. Bébé, t'es où? Oui, bon, on va pas me dire où il est parce qu'il faut que je le trouve. Donc, il s'amuse un petit peu. On va aller voir dans cette chambre-là. Oh là, bébé, il y a Batman qui t'embête. Bébé, laissez-le. C'est bon, je l'ai. Bien. Bon, bah, les chauves-souris restent là, hein, tout va bien. Bébé, je vais te remettre dans ta chambre, hein, dans ton lit. Parce que là, c'est plus possible du tout. D'accord? Allez, 1, 2... Ah, mais j'ai encore raté bébé dans le lit. J'ai encore raté bébé dans le lit. C'est pas possible. Viens ici. Viens là. Voilà. Pouf. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais de la gymnastique? Bon, j'ai gagné le niveau. Nuit numéro 5. Qu'est-ce que t'as? Léopold, ça va? Léopold. D'accord, il faut aller dans la cuisine. Non, pas dans la cuisine. Dans la salle de bain. On va aller dans la salle de bain, je crois que c'est là. Oui. Mets le bébé sur le trône. Voilà, prends la couche. On la prend. Et change le bébé. Ça marche pas. Couche, ici. Mets-la. Oh, on a réussi. Numéro 6, attrape le bébé. Ok. Je l'attrape. Et ici. Et ensuite, on fait quoi? Pourquoi je l'attrape par la main comme ça? Pourquoi il vole? Qu'est-ce qui se... Wow! Regardez son bras. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Bébé! T'es élastique? Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ça va, bébé? Oh là! Eh, c'est du grand n'importe quoi! Qu'est-ce qui... Ah non, mais là, il va... Regardez, il vole dans... Waouh! Il est complètement élastique, on dirait un vieux chewing-gum. Bon. Ça va, bébé? On a réussi le niveau, mais j'ai pas trop compris. Hein. Change le bébé. Oh là. What? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi, ce truc? Ah, c'est flippant. Bébé. Voilà. Elle est où, la couche? J'ai perdu la couche. Ah non, elle est là, juste à côté de moi. Hop. Voilà. Ah, il est content, Léopold. Super. Allez, prends le bébé au lit. Mais c'est quoi son corps? Regardez. Il danse bizarrement quand même, non? Bon, bah, on va le mettre au lit, hein. Allez. Voilà, doucement. Très bien. On a réussi. On est content. Allez, allez, j'ai réussi. Hey, j'ai réussi. Pourquoi il me dit pas... Qu'est-ce qu'il fait avec sa jambe? Wow, breakdance. Il fait la vague. Quoi? Ah, nourris-le. D'accord. Je vais aller chercher la... J'avais pas vu la mission, en fait. Allez, on va chercher le biberon. Et on va aller nourrir le bébé. C'est pas ici, c'est à gauche. Je me suis trompé. Pourtant, je connais la maison, maintenant. Eh ben non, me suis trompé. Donc, on va ici. Nourris-moi, monstre. Oh, comment tu parles, Léopold? On va commencer par se calmer, déjà. Hein, bon. Voilà. J'ai la bouteille. Oh, Léopold, t'as mis le feu à la maison? T'es sérieux? Si tu mets le feu à la maison, comment je vais faire après pour te nourrir et tout, hein? Oh, il t'a disparu en plus. Oh non, mais Léopold, ça suffit. T'es où? T'es là? Voilà, t'es là. Tu veux manger? Eh ben, pourquoi t'es parti, alors? Tiens, ah, il est content. Niveau suivant, niveau 9. Va dans la salle de bain. Très bien, je sais pas à qui j'obéis, mais j'obéis. On y va. Donc ça se passe en bas. Non, c'est pas ici, c'est au bout à gauche. Je suis dans la salle... Léopold, qu'est-ce que tu fais? Non? Il faut que j'aille trouver le talisman. D'accord, sur la table, à l'étage, ok. On va aller trouver le talisman parce que là, Léopold ne va pas bien du tout, du tout, du tout. Hop, on va prendre le talisman qui est ici. Voilà, on dirait le sceptre de je sais pas qui. Et on va aller exorciser le bébé tout de suite qui ne va pas très très bien. Hein. Léopold, tu te calmes maintenant. Par le pouvoir du sceptre bizarre. Pardon Léopold, j'ai raté. Je vais juste récupérer mon petit sceptre, hein, si tu n'y vois pas d'inconvénient, et puis je vais te...
Voilà. Bravo, Léopold. Super. Allez, niveau 10, dernier niveau, trouve le bébé. D'accord, je vais le trouver, c'est pas un problème pour moi. Attendez, peut-être qu'il est là. Non, il est pas là. Je vais aller voir dans toutes les pièces du haut avant de descendre, hein. Comme ça on sera tranquille, tranquillou. Bébé, il n'est pas là. Bébé, il n'est pas là. Bon, bah il est en bas, on va aller en bas. Et hop là. Oui, bébé, t'es où? Viens ici. J'ai besoin de toi pour terminer la mission. Ou alors il est dans cette pièce là qu'on connaît pas. Si on la connaît parce que c'est la cuisine. Ah, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, t'es occupé peut-être. Suis-le. Comment ça, suis-le? Je t'ai trouvé bébé, mais tu bouges pas là. Qu'est-ce qui se passe? Suis qui? Je comprends pas tout ce qui se passe là actuellement. Le bébé ne bouge pas, on me demande de le suivre. Je vais aller voir en haut. Il va pas bien, hein. Baby? Non. Mais pourtant... Et on va pas pouvoir terminer la dernière mission parce que ça fait rien. Suis-le. J'ai trouvé le bébé, il se passe rien. Tu veux ta tétine? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Bébé! Je sais que t'es là. Tu veux quoi? Que je tire la chasse? Que je te donne... Bon, bah visiblement, je crois que ça se termine comme ça, hein, on peut rien faire. Il bouge pas. Au revoir, Léopold. Bon, et bien voilà qui termine ces deux jeux de bébés possédés. Vraiment, ça ne vaut pas Baby Niello, mais c'est quand même assez marrant, surtout quand le bébé est déformé, il va dans tous les sens. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez ces jeux. N'oubliez pas de me dire vos suggestions dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un max de likes. Abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!